ever coming down. Ever since the day she left the ground. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Attention. Bonjour tout le monde, c'est Maxwell, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un commentary, pas live, mais commentary avec un invité, Captain Evil. Salut à toi. Salut tout le monde. Donc voilà, un commentary une partie que j'ai déjà commenté, parce que la chaîne communautaire sur laquelle j'avais envoyé le premier commentary n'a pas donné de réponse. Et du coup, j'ai dû refaire le commentary pour une autre chaîne, vu que le commentary aussi était vraiment dégueulasse. C'est le son. J'avais oublié de régler mon micro, et donc du coup Captain Evil on l'entendait pas très très bien. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc en même temps c'est bien que je le refasse. Donc voilà. Donc dans cette partie je pense qu'on va parler des mêmes sujets que la dernière fois. Il s'agit du pawn kill et des kill streaks. Voilà. Donc et du défi aussi, du défi que. Ouais, du défi que je t'avais dit de faire. Oui, que Captain Evil m'avait gentiment demandé de faire. Qui était de. Bah vas-y, je te laisse le rappeler. Bah, de faire 70 kills dans une partie. Donc, 70 kills dans une partie, ouais, du coup, c'était ça à peu près. D'accord. Donc, on va voir dans cette partie si je les ai fait, mais normalement, vu que je vous la propose, c'est que. Voilà, hein, faut rester un minimum logique. Donc, voilà. C'était. Ouais, donc. On va parler aussi après des. Du spawn kill, parce que sur cette map Nukton, c'est le spawn kill est presque obligatoire. Ouais, comme là, une magnifique série dans leur dos. Quand on a plus de balles, ben on a toujours le couteau. Hein. Le second donc, arme. Ouais, mais bon, j'avais pas pensé. Et donc voilà, donc le spawn kill, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans le sens que sur cette mini-map, on fait presque que ça. Parce que si on fait pas du spawn kill, c'est eux qui nous spawn kill. Et d'un autre côté, c'est assez chiant parce que ça fait comme un genre d'anti-jeu. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, bah c'est vrai que. Et petite parenthèse. Ouais, vas-y, continue. Non, je dis, moi je sais que j'en fais rarement du spawn kill, surtout que je suis pas souvent sur Nukton quand je joue donc. Ok, non, moi sur Black Ops, je joue principalement à ça, parce que à ça. Ouais, c'est... Ouais, je joue sur PS3 aussi, donc du coup sur PS3 tu peux pas avoir le choix des maps, comme sur PC. Et petite parenthèse là, parce que j'ai eu mon line, le code d'attaque, enfin il me semble que c'est ça. Et je trouve qu'il est affreux, franchement, il est affreux, il est pas maniable, c'est... Sur PC, ouais, il est pas maniable, j'ai essayé sur PS3, vu que je le débloque assez souvent. Ouais, sur PS3 il est largement plus maniable que sur PC. Peut-être que tu essayes de mettre une manette, c'est comme quand tu joues à Battlefield. Ouais. Et tu mets une manette pour diriger ton hélico. Mais j'ai une manette, c'est une Razor, je sais plus ce que c'est, mais j'arrive pas du tout à la config. Je sais pas, c'est. Ah ouais, moi j'avais réussi. Je l'avais acheté pour Battlefield. Il faut l'activer dans tes paramètres. Enfin, moi, oui, j'ai tout activé, mais bon. Bref, ouais. C'est pas le sujet. Ouais. Donc, je voulais parler de mon arme. Mon arme, je joue avec une AK-47 double chargeur. Avec passe-passe, poids-plume, il me semble. Oui, c'est dire, ça. Et marathon. C'est ce qui me semble vachement bien pour rusher. Poids-plume et marathon pour bien courir. Et passe-passe pour recharger très très vite. Ce qui ouais, me semble. Ouais. Ce qui me semble que je joue pas souvent avec ça. C'est que sur les petites maps, mais encore vite fait quoi, parce que sinon, moi je mets souvent tout ce qui est pour être invisible pour les hélicos. Ah oui, ouais, c'est vrai parce que sur sinon, ouais, c'est la misère sinon. Sur cette map, faut faire un choix, soit te mettre un invisible, soit un rusher. Et ouais. Là, j'ai pensé plutôt le rush, vu que c'est la domination, et qu'il faut se rendre le plus vite possible à leur spawn. Voilà, petit vol de coulis là, on dira rien, on a rien vu. ouais, donc les killstreaks. Sur Black Ops, t'en penses quoi? Moi je dis qu'ils auraient dû en mettre un peu plus parce que franchement, faire 11 kills, c'est pas la mer à boire quoi. Franchement, ouais, pour les chiens. Ouais, ça peut se faire facilement. Comme, ouais, ça peut être difficile aussi à la fois, mais. Ouais, et le gaz pas. Nova là, le gaz Nova, franchement, c'est. Ouais, c'est bien chiant là. Là, je vais mourir à cause de ça. Mais. Bon, je vais pas dire le truc parce que je joue aussi avec le gaz Nova parce que j'ai pas eu le temps de.
peuvent Je changer. pense pas acheter d'autres trucs parce que j'ai pas trop l'habitude sur Black Ops, parce que sur MW2 ou MW3, faut les débloquer. Et là, faut les acheter. Non, débloquer et acheter. Ça me perturbe un peu. Non, juste acheter, débloquer, tant pis. Si, le débloquer niveau. Ah ouais, Avoir non, le niveau nécessaire. pas sur les grenades, je crois. Ah bon? Que sur les armes et sur les. Ouais, que sur les armes. Ah d'accord. Ah bah j'ai. Excuse-moi alors. Il me semble, et tu vérifieras, mais je crois que c'est ça. D'accord. Ouais bah je vais bientôt faire un tour, je pense, dessus de nouveau. Ouais, donc là, bah, tu vois, tu fais du spawn kill là déjà. Ouais, bah là ouais du bon spawn kill là, c'est. Je les bloque bien leur spawn, je fais chaque fois le tour. Maison, dehors. Par contre, je sais plus vraiment ce que je vais faire. Ouais, et aussi, à un moment, je trouve que c'est. Les serveurs sont pas stables du tout, enfin pas stables dans le sens que ça fait un peu n'importe quoi. Parce que je me souviens, j'avais une partie, j'avais fait une superbe série, bah, je t'avais dit, une superbe série, j'étais monté jusqu'au chien, en Ouais. même pas en 30 secondes. Et je me suis fait ban du serveur parce que ils pensaient que j'avais seconde chance, alors que j'étais jamais mort, que seconde chance je l'avais jamais utilisée. Ouais, c'est vrai. C'est. Franchement, c'est. C'est rageant, là, c'est franchement, c'est rageant. En plus, c'était la première fois que je débloque mes chiens. Enfin bon, voilà. Je pense que. Voilà, donc cette chaîne communautaire. Pardon, cette vidéo, je vais l'envoyer à une chaîne communautaire, donc je pense que je vais un peu parler de ma chaîne. Et on pourra parler de la tienne si tu veux un peu plus tard. Un peu plus tard. Donc ma chaîne, c'est. Je tiens une petite chaîne de 24 abonnés maintenant. Qui fait principalement du FPS. Je peux aussi faire quelques jeux. Donc avec Captain Evil, on a pensé faire un petit projet Minecraft. Donc Donc je sais pas si il sera encore réalisable. Faut voir avec le temps qu'on a. voilà, faut qu'on aime pas un petit peu de faire parce que le semaine. Et je pensais aussi faire une petite série tentative nuke. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Je pourrais peut-être reprendre, peut-être me dire que je plagie ou n'importe. Mais la nuque, je vais être honnête avec vous, je l'ai eu qu'une seule fois. Et ça me plairait vraiment de refaire un projet comme ça, une nouvelle tentative nuque. Ça pourrait Ouais, mettre un faudrait peu. tester. Pourrait Parce que ouais, mettre moi aussi je un. l'ai plusieurs fois, mais voilà quoi, sans plus. Je sais que Ouais. sur Modern Warfare 2, je joue pas souvent avec le bug qu'il y a. Ouais, mais. Ouais, et surtout la communauté, elle est vraiment dégueulasse. Bah, et entre C'est. les cheaters et tout, c'est un peu chiant. Il y avait un cheat que j'ai quand j'étais sur une partie, que je savais vraiment pas ce que c'était. J'étais sur D'être ralenti. Terminal. Non, c'était sur Terminal. J'avais débloqué mon arrière. Je le lance mon arrière. J'avais mon hélico-mitrailleur. Je lance mon hélico-mitrailleur et même pas avant qu'il arrive sur la map, je me le fais détruire. Bon, je fais ouais, bon, c'est peut-être un mec qui me l'a détruit comme ça, qui l'avait anticipé. Donc sur la même partie, je redébloque mon arrière. Je relance mon hélico-mitrailleur et boum, encore une fois, deuxième fois, je me le fais détruire. Alors que j'ai pas fait un kill, rien que mon hélico, il est même pas arrivé sur la map. C'est. C'est vrai que bah genre, moi j'en veux beaucoup des cheaters sur Modern Warfare 2 quand j'y jouais. Il y en a des cheats qui sont vraiment abjects donc. Ouais, non, mais même la communauté aujourd'hui, c'est. Elle est vraiment horrible. Tu peux pas faire. Sur une bonne dizaine de parties, il y en a. Deux parties sur 10 qui sont cheatées, franchement, c'est vraiment affolant. Voilà, faut trouver la bonne quoi. Ouais. Et voilà, donc bientôt sur ma chaîne aussi, vous verrez un mini-film que je vais tourner cet après-midi normalement, si le temps le permet. Normalement, ça devrait aller. Un mini-film IRL. Donc malheureusement, vous ne me verrez pas, mais je ferai en sorte que il y aurait un petit truc que vous pouvez me voir. Donc soyez attentifs et puis. Puis j'espère que je vais bientôt le sortir ce film parce qu'il m'a l'air vraiment pas mal. Je vais le tourner, le scénario il a été écrit, je l'ai écrit le scénario moi-même, j'ai tout fait moi-même, donc j'espère qu'il va être bien. Donc voilà, je pense que j'ai fini de parler de ma chaîne. Donc Captain, si tu veux parler de la tienne, je t'en prie, hein. Ouais, bah, moi, la mienne, elle est presque comme celle de Maxwell. Hein. Je fais des vidéos sur la plupart des jeux, même si pour l'instant, il y a beaucoup de vidéos sur Modern Warfare 3. Bon, voilà, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos sur d'autres jeux, et pourtant, j'en ai quelques-uns. Donc, vu que j'ai beaucoup d'épisodes et tout, de séries de commencer sur ma chaîne, il faut que je finisse. Et donc, du coup, bah, c'est principalement sur Modern Warfare 3. Ah mais tu l'as bientôt fini d'ailleurs.
Ouais, mais là j'ai commencé les pistolets mitrailleurs, donc du coup. Oh là là. Oh, ah mais t'es un fou en fait. Voilà, ouais, je finis par le fade là et je vais commencer par les pistolets mitrailleurs. Ah tu t'es lancé dans un gros machin là. C'est Ah énorme. ouais. Moi, je le finirai de toute manière. Ouais. Et Ouais, j'ai puis plus l'occasion. il y aura la série Minecraft hein, si on l'a fait qui va aussi Ouais, venir. voilà. Ça aussi. Il faudrait que je la mette aussi sur ma chaîne, attends, faudrait que je trouve un moyen. Ouais, ben si tu veux, on fera une série sur deux. Genre, je fais une série moi sur ma chaîne, prochain épisode sur ta chaîne, comme ça, une fois sur deux. Ouais, voilà, faut que la plupart soient abonnés sur nos deux chaînes, quoi, pour nous suivre. Ouais, Et au ouais, pire. faudrait trouver pour le serveur. Moi, je sais que j'ai mon serveur, mais après, avec ma connexion, je sais pas si ça va pouvoir nous faire tenir Mais au pire, longtemps. Mais à je... deux, ça devrait tenir, je pense à deux. Mais si on est plusieurs, après, ça risque un peu de ramer. On verra déjà, au pire, je l'héberge sur ma partie, hein, au pire. Enfin, Ouais. sur mon ordinateur. Ouais, je pense que t'as une meilleure connexion. Donc voilà. Donc voilà, je te On laisse finir la vidéo. arrive à la fin de la partie. Sur un score de... j'y arrive plus, j'ai baissé la qualité. 72-29. 72-29, qui est quand même pas mal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à aller voir la chaîne de Captain Evil, qui est vraiment pas mal. Et si jamais vous n'avez pas le temps d'aller voir sa chaîne, on fait souvent des commentaires à deux ou... On À est deux, vraiment enfin à king. deux sur ma chaîne, vous le verrez souvent. Et puis voilà, donc je remercie la chaîne communautaire à laquelle j'ai envoyé, Siluplode. Et un grand merci à vous qui regardez cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous, hein. Allez, ciao tout le Allez, monde, merci. salut tout le monde. Alors.